Hello all, welcome to our next game, Salt Lake 2002, which is unfortunately a French copy that I own, which I did not know that. So here we are, going to be learning a bit of French. Alright. Course, Party Rapid. Oh, can I change? Australia! Yeah, there we go. Okay, so I'm assuming Niveau de Difficulty, so that'll be, I'm not going to go Legends, I'll go in the middle of Confirmé. That's pretty easy. Mode Olympic Tours? I will go Mode Olympic. Descent, Salter Ski, Snowboard Slalom Parallel, Slalom, Ski Acrobatique, and Bobsleigh. Cool, we'll go with Descente. Descente. Oh wow, hello man, you're super happy. Je vous souhaite la bienvenue à la zone skiable de Snow Basin pour cette descente homme. Everything's in French. Fantastic. Ce jeune Australien a tout simplement l'occasion d'entrer dans la légende. Eh bien, il n'est pas parti avant la fin du délai de 10 secondes réglementaires et il est donc disqualifié. Ah, le plateau était un peu trop relevé pour lui, on peut pas toujours gagner. Kiragi. Really? I didn't realize I had to go. I thought I was doing the countdown for it to go. We'll try this again, shall we? Wait, stop. He looks very unhappy now. Je vous souhaite la bienvenue à la zone skiable de Snow Basin pour cette descente. Right. On a déjà quelques bons temps réalisés. Voyons si l'Australien peut faire mieux. Oh, quel départ catastrophique! Les choses se présentent bien mal pour lui. Il est un peu en retard à l'intermédiaire. Whoa. Okay, there we go. Come on, turn. There we go. Perfect. Il est un peu en retard à l'intermédiaire. Il est un peu en retard à l'intermédiaire. Oh! Ouchaï! J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. C'est le genre de chute qui laisse des traces. Non. Il est loin et c'est bien dommage pour lui car il méritait sans doute mieux. Ah! Oh, so close. C'est ça qu'il était en droit d'espérer et il est déçu, on le comprend. On va regarder. Ok.
Can I retry? Quit that? No, that's quit. Ça de plus près avec. Damn, I was so close to doing it, and then that horrible turn right there. Je me demande bien de quoi ce jeune Australien est capable. Oh, il est bien trop lent au départ, il hypothèque déjà ses chances. Une chute qui a... Ugh. Néanti... This is hard. I must make a descent. I must try and get at least gold medal in each of these. Je vous souhaite la bienvenue à la zone skiable de Snow Basin pour cette descente homme. Je me demande bien de quoi ce jeune Australien est capable. Il est parti bien trop lentement, les choses se compliquent déjà pour lui. Ah, il n'est vraiment pas loin du meilleur temps intermédiaire. Ah, no, I turned way too hard. Assez dur, hein, mais... C'est comme ça. Reine de ces Jeux Olympiques. On a déjà quelques bons temps réalisés. Voyons si l'Australien peut faire mieux. Ah, ce n'est pas un très bon départ. Il va devoir rattraper son retard. Ça va se jouer à très peu de choses, il faut surtout rester bien concentré. Ouh, il est très bien là, trois fois rien du meilleur temps. Il est en retard et il aura bien du mal à revenir dans le rythme des meilleurs. Well, I got past that point, that really dangerous part. Haha. What did I get? Oh, il est loin et c'est bien dommage pour lui car il méritait sans doute mieux. Sixteenth. Il ne s'est pas vraiment exprimé aujourd'hui. Il va s'en vouloir, c'est sûr. Really? On va regarder ça de plus. Yeah, I'd feel deflated as well, buddy. Wow, 121. Épreuve reine de ces Jeux Olympiques. On a déjà quelques bons temps réalisés. Voyons si l'Australien peut faire mieux. Oh, quel départ catastrophique! Les choses se présentent bien mal pour lui. Ça va se jouer à très peu de choses, il faut surtout rester bien concentré. Ah, il n'est vraiment pas loin du meilleur temps intermédiaire.
Oh, ça va se jouer à très peu de choses, il faut surtout rester bien concentré. Damn, that's really tough. Ah, les experts de tout poil doivent être bien déçus parce que I didn't see the score. Ugh. Hooray, I came 10th. It's better than last. I'm getting there. I will get you a gold medal, buddy. I love that. I love the clap and the two finger point and the big old smile on his face. I'm gonna try and get you gold, buddy, but. Et nous nous retrouvons pour la descente homme, épreuve reine de ces Jeux Olympiques. Ce jeune Australien a tout simplement l'occasion d'entrer dans la légende. Ouh, il a l'air très très bien parti. Il n'a que quelques fractions de secondes d'avance, tiendra-t-il jusqu'au bout? Ah, s'il peut conserver son avantage, il peut espérer repartir avec une médaille. Il n'a que quelques fractions de secondes d'avance, tiendra-t-il jusqu'au bout? Come on. Oh, did I do it? Et voilà, il prend la première place et s'empare de l'or olympique. Mmh. Oh yes! I mean, I was about to do a backflip then. Yeah! Je dois dire que je suis très impressionné par. God, that was tough. So close. I got the gold medal. Nous avons vécu de superbes moments lors de cette descente homme. Profitons maintenant de la cérémonie de remise des médailles. Yay! Oh, it doesn't show the gold medal? That's fine. Oh, I can like... Oh, I see. Are you cold? You look cold. Would you sell the ski?
Bienvenue au Parc Olympique de l'Utah pour ce premier tour du saut à ski K120. Le prochain sauteur est australien. Gonna be at 113.5. Ah, c'est un bon envol, très bien. C'est une très belle réception qui devrait lui attirer les faveurs des juges. Ok. Et ce saut le confine à l'anonymat des mal classés. So what did I get? Un saut qui ne le satisfait pas, comme... Oh, 16th. Ugh. Yes, exactly. I just... Angry at the world. Bienvenue au Parc Olympique de l'Utah pour ce premier tour du saut à ski K120. Le prochain sauteur est australien. That's the wind. Uh-oh. Oh, le bel envol. Oh, il est allé très loin, mais quelle réception catastrophique! How was that? Et ce saut le confine à l'anonymat. Cool. Jeez. Still 16. Pour cette épreuve de saut à ski. All right. C'est maintenant au tour de l'Australien. Go. There's no wind. No resistance. Il est bien parti. Il n'a pas dû se faire mal. Il a l'habitude de... Oh, oh. Sorry, buddy. Nous nous retrouvons au Parc Olympique de l'Utah pour cette épreuve de saut à ski. Le prochain sauteur est australien. Ce bel envol lui donne tout le temps de se positionner. Il est allé très loin et s'est parfaitement réceptionné. Les juges apprécieront. He's got a smile on his face. I don't know. Ce saut le propulse en haut du classement. Yes! I thrashed that one. I don't understand the other scores, but I got number one. L'enchanté. On se penche sur le ralenti de... Yay! Great Britain at 16th. Le prochain sauteur est australien. Oh, okay, I got a second jump. Uh-oh. Oh, il aurait pu faire beaucoup mieux, c'est clair. Ah, forcément, c'est plus facile de réussir sa réception. I don't know what happened there. Distance aussi ridicule. That was terrible. Un dernier saut qui le relègue dans les profondeurs du classement. Oh, il a fait le maximum, mais aujourd'hui, ça ne suffisait pas. Is there another one? No. Okay, so there's two jumps. Two jumps. Bonjour,
Bonjour et bienvenue à vous pour ce premier tour du saut à ski K120 ici au Parc Olympique de l'Utah. Le prochain sauteur est australien. All right, here we go. Il est bien parti. Il est allé très loin et s'est parfaitement réceptionné. Les juges apprécieront. That's good. That's good for a first jump. I'm happy with that. Il est ravi par sa performance et même un peu surpris, je dirais. On revoit. C'est maintenant au tour de l'Australien. C'est un bon envol, très bien. Il est allé très loin et s'est parfaitement réceptionné. Les juges apprécieront. He wasn't happy about that. Eh bien, il est en milieu de tableau. Eighth. No. No. I gotta come first. Bienvenue à vous pour ce premier tour du saut à ski K120 ici au Parc Olympique de l'Utah. Oh, it went down to like one point something for the win just then. Boom. Oh, le bel envol. Il n'a pas dû faire mal. I pressed the button. Oh. God, legs breaking and stuff like that. Oh, that's fine. I didn't mean to press it, but that's all good. Il est bien parti. Bon. Oh, I don't know what happened there. Au Parc Olympique de l'Utah pour ce premier tour du saut à ski K120. C'est maintenant au tour de l'Australien. Il est bien parti. Il est allé très loin et s'est parfaitement réceptionné. Les juges apprécieront. Ce saut le propulse en haut du classement. Ah, il vient juste de voir son score et sa réaction parle pour lui. Le prochain est un Australien. I'll take that. Il est bien parti. C'était un bon saut et la réception s'est très bien passée. Oh, I think that's it. I think it's definite first, that is. Il a réalisé les Jeux Olympiques et il repart avec cette médaille d'or bien méritée. Ah, voilà un saut qui a l'air de lancer. Huzzah. On revoit Oh, I thrashed him. Rejoignons maintenant la cérémonie de remise des médailles du saut à ski K120, où les meilleurs sauteurs de la planète vont bientôt être récompensés. Yeah, we've seen that before. Australians, all let us rejoice, for we are young and free. Yes. All right, off you, on to you. What do you do? Oh yeah, you get 'em, cowboy. Snowboarding?
dans ce premier tour de l'épreuve de slalom géant parallèle, messieurs. Oh, I see. Dans cette course, l'Australien sera au couloir bleu. C'est donc au Japonais d'être au rouge. Et le concurrent au couloir rouge est le premier à partir. Oh god, that's horrible. What, the controls are absolutely terrible in this. Et le concurrent au couloir bleu est à la traîne après ce premier secteur. Ah, il n'y avait presque rien entre eux à l'arrivée, mais je crois que c'est les concurrents au couloir rouge qui gagnent. Une victoire confirmée qui permet à ce Japonais d'occuper une position favorable avant la seconde manche. Le couloir... On retrouve le Japonais au couloir bleu. Les deux concurrents se sont élancés. Oh non. Le concurrent au couloir rouge est God dang. Qualifié. Yeah, yeah. Whoa, you go get him. Bienvenue ici à Park City pour assister à l'épreuve de snowboard de slalom géant parallèle, messieurs. Dans cette course, l'Australien sera au couloir bleu. Les deux concurrents se sont élancés. Eh bien oui, ils sont au coude à coude alors qu'ils entrent dans le dernier secteur. Yeah. Sans bavure du concurrent parti au couloir bleu. Une victoire confirmée qui permet à cet Australien de prendre une position favorable avant la seconde manche. Australie. All right, here we go. Now I'm on the red side. I screwed up when I did this last time, so we'll hope I don't do it this time. Ils sont dans le même mouvement alors qu'ils viennent de s'élancer. Eh bien oui, ils sont au coude à coude alors qu'ils entrent dans le dernier secteur. Oh yes. Sans bavure du concurrent parti au couloir rouge. Absolutely destroyed the Japanese. Un résultat qui pousse l'Australien en quart de finale. On retrouve le Japonais au... Oh, I can't understand any of this. Oh, I'm versing the Swedes now. Okay. Ils ne sont plus que 8 pour 3 médailles. Les quarts de finale vont être décisifs. Dans cette course, l'Australien sera au couloir bleu. Ils sont dans le même mouvement alors qu'ils viennent de s'élancer. Eh bien oui, ils sont au coude à coude alors qu'ils entrent dans le dernier secteur. Okay. Victoire nette et sans bavure du concurrent parti au couloir. Very nice. Une victoire confirmée qui permet à cet Australien d'occuper une position favorable avant la seconde manche. On retrouve le Norvégien dans cette course au couloir bleu. Ils sont dans le même mouvement alors qu'ils viennent de s'élancer.
Et l'Australien en couloir rouge a l'air au mieux alors qu'il passe la mi-course. That was so much faster than my previous run. Et avec la confirmation de sa victoire, like so much faster. Se retrouve en demi-finale. Le Norvégien. Okay, versing. Oh yeah, the Swedes. I did that just then. So now it's going to be the demi-finale. Okay. Against semi-final against the Swedes. Ne sont plus que quatre dans cette épreuve de snowboard de slalom géant parallèle, messieurs. Le couloir bleu sera occupé par l'Australien. Les deux concurrents se sont élancés. Alors qu'il passe la mi-course, c'est toujours extrêmement serré. Une course très disputée, remportée par le concurrent. It's very close. Une victoire confirmée qui permet à cet Australien d'occuper une position favorable. Le couloir bleu sera occupé par le Suisse. Les deux concurrents se sont élancés. Et c'est l'Australien en couloir rouge qui passe en tête la mi-course. I thought I fouled then. Oh yes. L'écart à l'arrivée est important. C'est le concurrent du couloir rouge qui s'impose. Et nous avons confirmation du résultat et de la qualification de l'eau. So now it's us against France. Okay, the finale. La lutte pour le titre olympique se réduit désormais à deux hommes. Le couloir bleu sera occupé par l'Australien. Et le concurrent au couloir bleu est le premier à s'élancer. Alors qu'il passe la mi-course, c'est toujours extrêmement serré. Ses limites, mais la victoire revient finalement au concurrent parti au couloir bleu. Après confirmation du résultat, le couloir bleu sera occupé par le français. Bon départ au couloir rouge. Eh bien oui, ils sont au coude à coude alors qu'ils entrent dans le dernier secteur. Oh, une victoire. We win the gold medal. Et oui, c'est confirmé, c'est bien le concurrent australien. Huzzah! Rendons-nous maintenant à la cérémonie de remise des médailles du snowboard, slalom géant, parallèle messieurs. Alright, so that's the first three done. Thinking that I might leave the next three for the next episode actually. Let's see if I can't, Oh wait, I don't know what this is. Some of the scores, but that's fine, I'm happy. Can I save it? No. It must be a different mode that I'm doing. I don't know, but I'm just gonna go through every
sport that's there. So that was the first three. In the next episode, I'll do the next three. So hopefully you enjoyed this episode, and I'll see you all in the next one. So catch you then.